le yoga peut être utilisé comme approche complémentaire pour restaurer ou préserver la santé. Ce n'est pas encore très connu en Belgique. C'est ce qu'on appelle la yoga-thérapie. C'est une spécialisation qui dure 3 ans après nos études de professeur de yoga. C'est dans le but d'expliquer cette approche que nous faisons cette vidéo. La nature est pleine de ressources. Quand elle se trouve face à un obstacle, elle cherchera un autre passage. Notre corps a aussi beaucoup de ressources. Nous pourrions, par exemple, vivre avec un seul rein. Ce qu'on va faire, c'est aller faire comme moi. À l'inspiration, le bras gauche se lève. Et continue. Voilà, peut-être qu'il peut toucher le mur. Voilà, expiration, revenir. La même chose avec l'autre bras. Voilà, quelque chose qui s'ouvre. Oui, super. Expiration, revenir, l'autre bras. La syphose, par exemple, peut parfois générer des douleurs au cervical ou des migraines. Une pratique régulière de yoga fait circuler l'énergie dans tout le corps. Ça peut aider à créer des bypass naturels. La yoga thérapeute vous donnera une pratique tout à fait adaptée à votre constitution. Some factors when your back pain happens, like does it happen in some situations that you've noticed? Well, like I said, some of the more strenuous things I do seem to bring it on, but I couldn't really specify which particular things. But yeah, okay. So I will take your palms now from here. So both, so they're relaxed, exactly. Some measurements to see your physical alignment. So I'll touch your back to see if there is any tension. It's your practice for you, okay. Which you practice at home. How much time do you have to practice at home daily? About daily. Yeah. 20 minutes, I'm sure. 20 minutes? Yes. Okay. It's a short practice, so you can really do it hopefully every evening and fit it in. Trouver du temps pour pratiquer n'est pas facile, mais comme on peut ressentir les bénéfices du yoga dès le premier jour, cela aide. Ne fût-ce qu'un sentiment général de légèreté, de calme, une détente des muscles. Pour un effet plus profond, alors il faut attendre que petit à petit les changements s'inscrivent en nous. Beaucoup de personnes commencent à pratiquer régulièrement parce qu'elles ont des problèmes de santé. Plus vous pratiquez, plus vous sentez que la pratique agit aussi sur d'autres niveaux. Quelque chose qui s'apaise, plus d'autonomie, plus de liberté. Aussi, une plus grande connexion avec la nature et avec vous-même.